Bienvenue sur le JT spécial rap des femmes d'impact. Aujourd'hui, nous avons d'excellentes nouvelles pour vous. Vous vous rappelez de la parole que nous avons reçue en début d'année? Le Seigneur nous a dit, une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Et pour voir cette chose nouvelle se manifester, une intercesseuse va croire, va prier et va semer tout cela au travers de la parole de Dieu. Cette année, nous sommes plus que déterminés à être les femmes qui sont proches de Dieu, à l'écoute de ses projets et de ses promesses pour nous. Et dans ce cadre, nous vous proposons un programme de lecture du Nouveau Testament en 100 jours que nous suivrons jusqu'au 25 décembre. RAP, qui est le nom de notre programme de lecture, qui veut dire revenir à la parole. Exactement. C'est plus qu'un marathon. C'est vraiment 100 jours de rencontres quotidiennes, individuellement ou en groupe avec une sœur, pour rencontrer le Père. Et nous avons commencé ce programme aujourd'hui par un temps de prière afin de remettre ces 100 jours entre les mains du Seigneur, et nous croyons que ce marathon va vraiment nous aider à prier efficacement pour voir sa parole s'accomplir dans nos vies. Alors, à cet effet, nous avons préparé un kit spécial. Alors, notre kit spécial se constitue en produits de notre Bible. Donc, chacune de nous prépare sa Bible. Ensuite, nous avons une Bible d'étude. La Bible d'étude contient plus d'explications et permet de situer le contexte. Ensuite, nous avons, à ne pas oublier, un cahier de notes pour noter tous les versets qui nous ont marqués. Et n'oubliez surtout pas les surligneurs, donc pour surligner tous les versets sur lesquels on médite. Et notre dernier accessoire, un stylo qui nous permettra de tout écrire dans notre cahier de notes. Et cette semaine, nous commençons avec le livre de Malachie. Il serait dommage de commencer ce livre sans savoir de quoi on parle ou de qui on parle. Alors, c'est qui Malachie ? Malachie est un prophète de l'Ancien Testament. Alors Malachie, c'est le prophète qui intervient après le retour du peuple d'Israël de l'exil. Il intervient notamment 400 ans avant le silence de Dieu. Donc il s'est passé 400 ans avant que Dieu ne reparle aux hommes. Donc Malachie, c'est le prophète qui annonce les oracles de Dieu. Et le livre de Malachie est réellement comme une conversation et comme un dialogue entre Dieu et son peuple. Malachie est notamment celui qui annonce l'arrivée de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de lire ces passages, nous voulons prendre conscience que Dieu nous voit, que Dieu nous connaît et nous interpelle. Il connaît notre niveau de relation avec lui et nous voulons vraiment nous poser les bonnes questions avant de rentrer dans la méditation du Nouveau Testament. Nous le ferons ensemble pour nous ajuster mutuellement. Nous croyons que ce marathon nous permettra de développer notre vie de prière, d'apprendre à connaître Dieu par le biais de sa parole, de connaître ses promesses et de croire en ses promesses. Alors, restez connectés sur le Facebook des Femmes d'Impact, Église locale de Rouen. Et vous pourrez suivre jour après jour et aussi participer à ce marathon jour après jour et recevoir sur votre fil d'actualité le prochain JT spécial rap des Femmes d'Impact de Rouen. À bientôt! À bientôt!